Dans le cadre de la fête nationale, TCF TV a interpellé des résidents de Tours pour les connaître un peu mieux. Je suis ici avec M. Claude qui habite à 6 ans au Tours-Frontenac. J'aimerais savoir, Claude, pour toi, c'est quoi la fête nationale? Qu'est-ce que ça représente? Disons que... Tu sais, on parle qu'on fête la nation québécoise. C'est un beau rêve, mais qu'on n'a pas encore réalisé. Puis pour moi, j'écoutais la radio ce matin qui parlait justement de la Saint-Jean. Gilles Vigneault qui a chanté, qui a été interviewé aussi. Puis c'est sûr que j'ai, dans mes trips, je suis très québécois. Et j'aurais voulu que le Québec devienne une nation. Puis, parce que c'est ça qu'on fête aussi. Hein? Depuis longtemps, on désire, mais en même temps, les Québécois, c'est des peureux. Ils veulent pas. Beaucoup ne veulent pas. Et moi, je suis un peu déçu. Je fais la Saint-Jean, pour moi, c'est... Moi, je suis ici, mais dans le fond, ça pue pour moi. J'embarque plus comme j'embarquais, hein, parce que pour moi, je trouve que le peuple québécois est un peuple qui se contredit à plein de niveaux. Là, puis... Alors, je suis pas très fier de mon peuple. Alors, je... C'est ça, vraiment. À votre avis, il n'y a pas une union, c'est ça? Pardon? Il n'y a pas une union? Oh non, au contraire, c'est une division. Puis c'est un peuple qui... moi, il y a beaucoup d'injustice au Québec. Mais Claude, je te remercie pour ton témoignage et bonne fête nationale.